Shot. Salut, salut, c'est Yojimbo et Knives. Bienvenue dans notre première vidéo découverte sur The Hunter. Salut à tous. Donc on s'est fait camper sur Call of Duty, donc on a décidé de faire une petite pause. Et puis bon, on va vous montrer qu'on n'est pas raciste, alors on tue bien aussi bien des humains que des animaux. C'est parti. Bon alors on va faire comme les pros, on va vous expliquer les bases du jeu et surtout l'utilisation du Pokédex. Le Pokédex vous servira à scanner les traces de pas, leur excrément et le type de bestiole à capturer. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est l'une des maps du jeu, il y en a trois comme ça. Sangliox, Pokémon de type cochon, il aime les glands et la bière. Oh putain, mais je l'ai pas celui-là! Bon, on va pas vous mentir, hein. Le début du jeu il est plutôt laborieux et on trouve beaucoup d'estrons sur le sol. Non mais c'est dégueulasse là, il y en a un haché partout! Non mais j'ai failli me salir les godasses quoi! On va vous montrer un petit peu de kill hein, avec Yojimbo qui met une tête à un cerf. Oh mon dieu, il monte sur nous! Bordel, bordel, il passe à 180! Allez, maintenant un peu de freestyle. Y a pas que sur Call of Duty qu'on doit être au top. Waouh! Un deuxième 360. Waouh! Mais c'était pas un sangliax? Je crois bien, ouais. Et pour les nostalgiques du Tomahawk dans Call of Duty, voici un amazing Rambo shot. Et n'essayez pas de faire ça chez vous, hein. C'est comme le catch, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et voilà, ça y est, on passe un bon moment et on tombe sur un nouveau baroud d'honneur, quoi, ça y est. Et c'est pas la peine de nous regarder avec tes yeux de biche, hein. Tu vas te vider de ton sang. Fallait pas utiliser un atout de noob. Alors là, un gros plus du jeu, le Pokédex a une option Game Gear. Et ça pourrait être une super arme secondaire pour les campeurs dans Call of Duty. Et pour finir la vidéo, voici ma technique infaillible de la semaine. Alors il faut tuer un animal. Bon là c'était une biche en l'occurrence. Mais comme vous le savez, une biche crevée c'est pas toujours marrant au niveau odeur. Donc il faut l'asperger d'un peu d'axe, donc un peu sur le croupion. Un petit peu dans le cou. Voilà. Et ensuite, il faut se positionner en retrait en attendant la victime. C'est une technique 100% résultat. Et comme vous le voyez, sur ce coup-là, on n'a pas eu beaucoup de chance. C'est un vieux dindon qui est venu. Bon, par contre, moi, lundi, je mettrai un peu d'axe pour aller au collège, quoi. On espère que vous avez bien aimé notre première vidéo découverte sur The Hunter et qu'on vous a donné envie d'y jouer. Bon, on est désolé pour tous les fans de Bambi. Mieux vaut jouer à The Hunter que tirer à la carabine à plomb sur le champ de la voisine. C'est notre point de vue. Allez, on vous laisse. À la prochaine. Salut, salut. Salut, salut.